Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est vendredi. Donc, c'est ma défaite frisée de cette année 2022. D'après la nouvelle la plus récente, je vais me présenter dans le site web de www.tabletiac.com pour le jour d'aujourd'hui. On veut entendre parler de ce que voudrait vous annoncer la nouvelle concernant une ferme qui s'appelle Rickardson, située dans la commune de Stowe, de l'État de Vermont des États-Unis. Celle qui se trouve maintenant en mesure de faire appel à toutes les contributions pécuniaires possibles que tous les résidents de l'État de Vermont des États-Unis peuvent contribuer afin que cette ferme Rickardson puisse faire durer son commerce agricole dans l'État de Vermont des États-Unis. C'est pour ça qu'en parlant de cette matière, la nouvelle nous fait part d'un programme artistique qui s'appelle Cows for Cause. Celui qui a pour but de réunir des fonds pour aider à cette ferme Rickardson en vendant des ouvrages artistiques confectionnés en forme de vache, un animal représentant l'aspect agricole, ce qui semble se rapporter bien à l'activité agricole de cette ferme Rickardson, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on veut dire que comme me présenter dans la vidéo, on va voir se trouver une variété de vaches en coloris confectionnées pour ce but. D'après la nouvelle, on dit que chaque vache coûte 25 $. Il se trouve ci-dessus un site web concernant cette matière. D'ailleurs, on me dire que en parlant de l'action d'aide à cette ferme Rickardson, afin que cette ferme Rickardson puisse faire durer son commerce agricole dans l'État de Vermont des États-Unis. D'après la nouvelle, on dit que le Conseil de logement et conservation de l'État de Vermont des États-Unis a donné son accord à la distribution d'un montant de 1 263 000 $ provenant de sources d'aide pécuniaire. Le gouvernement central de la nation des États-Unis et le gouvernement de l'État de Vermont des États-Unis destiné à aider à cette ferme Rickardson de telle façon que deux organisations qui s'occupent de la gestion des biens immobiliers dans l'État de Vermont des États-Unis. Stowe Land Trust, situé dans la commune de Stowe de l'État de Vermont des États-Unis et Vermont Land Trust, situé dans l'État de Vermont des États-Unis ont bien mis en application ce montant afin d'aider à cette ferme Rickardson. Toutefois, d'après la nouvelle, on dit que bien que connaissant la combinaison de deux sources d'aide pécuniaire provenant du gouvernement central de la nation des États-Unis et du gouvernement local de l'État de Vermont des États-Unis destiné à aider à cette ferme Rickardson, il se trouve encore un montant de 1 247 000 $ qui fait défaut pour qu'on puisse avoir un complet succès concernant aider à cette ferme Rickardson afin qu'elle puisse faire durer son commerce agricole dans l'État de Vermont des États-Unis. C'est pour ça que, d'après la nouvelle, on dit que cette ferme Rickardson se trouve maintenant en mesure de faire appel à toutes les contributions pécuniaires possibles que tous les résidents de l'État de Vermont des États-Unis peuvent contribuer pour qu'elle puisse faire durer son commerce agricole dans l'État de Vermont des États-Unis.